Puis on va te supplier boss, c'est Deadskill, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on va se retrouver pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau commentaire sur la Obscure Clan. Aujourd'hui on va se retrouver pour la dernière vidéo de la Obscure Clan. Et oui, toute bonne chose a une fin, malheureusement. Et c'est pour cela que je vais vous expliquer cette fin assez brusque tout de même. Mais ouais, mais voilà, de la team obscure que pratiquement personne voyait venir. Alors pour commencer, je vais vous présenter le gameplay, bien que je vous avoue que c'est pas le plus important ici. C'est surtout pour un support visuel. C'est donc un 63-0 de la part de Nextaz à la Weevil sur la map Nuketown de Call of Duty Black Ops 3. Je le répète, c'est juste pour le fond. Ce qui est important dans cette vidéo, c'est bien évidemment son sujet. Mais juste avant cela, je vais me présenter pour ceux qui me connaissent pas encore, malgré avoir fait environ 5 commentaires pour la Obscure. Il y en a qui vont se dire mais what the fuck. Mais bon, il y en a qui sont un peu perdus. Donc voilà, moi c'est Deadskill, commentateur de la Obscure Clan, avant que je passe leader de cette magnifique team performance. Vous m'aurez aussi déjà vu commenter des clips du jour sur la chaîne de Code QG. Enfin bref, voilà, petite parenthèse pour me représenter et pour rafraîchir la mémoire à certains d'entre vous. Passons maintenant au vif du sujet. Pourquoi la fermeture de la Obscure Clan? Vous commencez à vous en douter depuis quelques jours, en particulier ces 5 derniers jours sans vidéo, ou voire 6, je sais plus trop, malgré nos statistiques impressionnantes en termes de vues et de likes pour notre nombre d'abonnés. Beaucoup de choses ont pesé dans notre choix. Il y a eu notamment une baisse de vues sur des vidéos qui étaient censées bien marcher. Là je parle des news, des leaks, des infos. Nos espoirs d'atteindre les 10 000 abonnés à la fin de l'année commençaient donc petit à petit à s'en aller. Malgré cela, nous sommes restés dans le même état d'esprit qu'avant. Donc nous avons donc persisté nos efforts, toujours sorti une voire deux vidéos par jour, qui montraient à quel point la volonté d'évoluer était toujours présente. Mais de jour en jour, nos vues commençaient et toujours à baisser. J'étais conscient que YouTube a aussi bugué, d'ailleurs cela nous a quand même agacé, mais pas non seulement à cause des bugs, des vues, mais aussi quelquefois des bugs de miniature. Et puis voilà, vous vous en doutiez bien que après tout ça, la motivation n'était plus là, la fatigue aussi, puisque depuis quelques mois nous tenions une grosse cadence d'une à trois vidéos par jour. Et c'est à ce moment là que nous avons décidé, nous leaders, de nous lancer dans un tout nouveau projet qui nous plairait, nous. Mais j'espère que vous aussi ça vous plaira. En tout cas, tout cela est le résultat d'un travail énorme de notre part, un gros investissement de tout le staff, de la part des membres, des Miamakers. D'ailleurs, je tenais aussi à vous féliciter pour votre engouement dans cette team. Nous avons beaucoup été critiqués tout au long de cette aventure, mais nous n'y avons pas forcément prêté attention. J'ai commencé même à y prendre l'habitude. D'ailleurs, beaucoup vont exposer de joie pour cette fermeture, mais pas si vite que ça, parce que on va arriver au troisième point de cette vidéo. Que va devenir la Obscure Clan? Alors pour cette question, nous tenions à avoir votre avis, vous, oui, fidèle abonné de la Obscure Clan. Nous pensions faire une chaîne communautaire, toujours axée sur la performance Call of Duty, pour ne rien changer au principe de la Obscure et pour ne pas oublier ce qu'a été cette magnifique team. Si vous êtes de notre avis, n'hésitez pas à mettre un like et nous le détailler en commentaire. Si au contraire vous ne voulez pas, dites-le nous dans l'espace commentaire aussi. Nous lirons tous les commentaires et tous vos avis, qu'ils soient négatifs ou positifs. Et voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ce projet va vous plaire et que vous y serez toujours aussi actifs. Un petit commentaire pour me dire qu'est-ce que vous en pensez de cette fermeture. N'hésitez surtout pas à vous abonner si c'est pas déjà fait à ma chaîne, que vous retrouverez dans la description de cette vidéo. Et moi je vous dis adieu à tous, portez-vous bien, c'était Deadskill, allez kiss.